Bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de Richard Westering, donc qui nous fait le plaisir d'être au micro de Terre Sud-Ouest pour évoquer bien entendu Timoco et le prix d'Amérique qui approche à grands pas. Bonjour Richard. Bonjour. Alors peux-tu évoquer Timoco? Donc je crois que tu étais hier donc en Normandie pour aller le travailler. Comment ça s'est passé? Bon, c'est bien, toute la préparation elle est bien passée. Le cheval est parfait. Ouais. Ça va aller. Ok. On a pu Tout va bien. lire. J'ai pas de regrets. Il y a toute la préparation est bien passée comme il faut. Sans accroc, tout est ok, quoi. On a pu lire dans la presse là que tu avais été un petit peu contrarié sur certains propos qui avaient été dits ou lus cet hiver, notamment au sujet donc de courses de ton cheval et du fait que peut-être certains évoquaient le fait que c'est pas un cheval d'hiver. On t'a senti vraiment un petit peu froissé. Ça te Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, je suis au gradaire. Moi, je trouve il y a beaucoup de monde qui font pas beaucoup de respect après le cheval et qui fera toute l'année des performances comme un crack. Il a 10 groupes 1. Il n'y en a aucun dans la Prix d'Amérique qui a 10 groupes 1. Même ensemble, ils vont avoir de mal à avoir 10, je pense. Et après, il faut toujours, j'ai toujours l'impression, dis-moi quoi, il éprouve toujours 5 crack, quoi. Mais bon, s'il y en a des chevaux comme Landival qui va gagner, bon, je ne critique pas, c'est un super cheval, mais s'il prend plus de valeur qu'un Timoco qui gagne 10 groupes 1, et Landival qui gagne un prix de Belgique où il y a personne qui roule, quoi. Et lui, il prend peut-être les cordes et il contrôle la course, il gagne la course, après c'est un crack. Après, bon, j'ai dit, bon, tout le monde qu'est-ce qu'il pense, mais bon, après, c'est les choix qu'il ne méritait pas. Moi, je ne critique pas l'Onival, c'est un choix adorable, et il dit bon, ouais. Il n'est pas des mêmes performances qu'un Timoco actuellement. Ouais, Mais c'est bon, vrai il va que. arrêter après. C'est vrai que pour rejoindre tes propos, en fait, depuis le début de sa carrière, on a l'impression que bah, chaque année à Timoco, on essaie de trouver quelque chose pour, voilà, pour. Dernière, je sais pas si tout le monde il avait des yeux fermés, mais je crois que dans la dernière ligne droite, c'est le cheval qui finit le plus vite à Prix d'Amérique quand même. Ouais. Et bon, on peut dire qu'il n'était pas en forme. Moi, je crois qu'il était un peu loin dans le dernier virage, mais c'est le cheval qui finit plus vite que tout le monde. Ouais. Après, bon, je vais arrêter de critiquer un cheval comme ça qui champion. Après moi, bon, c'est pas parce qu'il est un cheval à moi, mais le cheval il méritait pas ça, quoi. Ouais. C'est vrai que Après, jusqu'à présent, tu n'avais jamais trop évoqué, mais là, on te sent vraiment touché, voire peiné même. Ça te fait de la peine qu'on parle de Timoko comme ça? il mérite un peu de respect, quoi. C'est tout. Après, je m'en fous, qu'est-ce qu'il dit. De toute façon, Timoco, il redresse toujours tout le monde. Ça fait 4 ans, il était déjà mort. On en fait trop fort, trop dur avec. Tout le monde qui tombe mort derrière, ils sont jamais reparlés. Timoco, il est toujours là. Il y a 2 ans, il était là et il est toujours là. Et bon, après, je ne vais pas trop rester négatif là-dessus parce que de toute façon, c'est que des paroles. Après la parole, bon, tout le monde lui dit qu'est-ce qu'il pense, mais bon, il mérite un peu plus de respect, c'est tout. Richard, ce qui est sûr, c'est qu'en 2015, ton champion, il est toujours là, et que les titres qu'il a obtenus, personne ne les a obtenus à sa place. C'est soit le cheval pour les Nidlobes, c'est plus le cheval pour Vincennes, c'est un cheval d'hiver. Tu vas courir quoi, Gabarin? Je sais pas, il n'y a pas de. Non, Richard, non, mais bon. si tu courais à Gabarit, je crois que ça ferait plaisir à beaucoup de monde ici. Hein. Ah oui, mais il n'y a vraiment pas de course. Il n'y a vraiment pas de course. Ok. Bon, allez, Richard, on ferme ce petit sujet. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Timoco jusqu'à dimanche? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Timoco, bon, là, il va rester au paddock jusqu'à samedi. Ouais. Mais au paddock, on va la rentrer pour le soin et tout ça. Il sait que pour beaucoup, Jean-Yves et bon, Céline, il fait des choses, et Angélique, il fait beaucoup de choses avec. Ouais. Ils font des trucs, on travaille dessus, et puis, on va la prendre à la longe un petit peu, vers 30 minutes,
samedi avant la course, et puis c'est la seule chose qu'il va la faire comme entraînement. Mais pour le gros travail, il est fait. Moi, je suis satisfait de son travail, son préparation, tout est bien. Sauf la dernière course, c'était, on avait malchance, mais le cheval était extra. Ça, c'était le principal. Tout est bien passé après ça. C'est très bien. Concernant la tactique de course, est-ce qu'il y a quelque chose de prédéfini avec Björn Goop ou alors on sait que c'est des courses qui sont toujours pas simples à courir, bien entendu. Je laisse choisir Björn, mais Björn il m'a dit il va pas être loin de tête ou même à tête et corps, je sais pas. Il va faire un des deux, ou il va prendre la tête ou il va pas être loin de la tête. D'accord. On risque de le voir. A priori, on risque de le voir rapidement dans la bataille, quoi. Ah oui. Richard, quel que soit le résultat de Timoko dimanche, est-ce que tu as déjà quand même une idée de la suite du programme? De la suite du programme? Oui. Ben, le Prix de France, c'est sûr. Oui. S'il reste bien, si tout va bien, quoi, on fait le Prix de France. Après le Prix de France, on va décider par rapport si je vais toujours bien, on court certainement le Prix de Paris. Ouais. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire après, si on va à Cagnes ou pas, ou on fait un impasse de Cagnes pour préparer les étapes. Pour préparer l'étranger. Ça, on va regarder quand même course à course. C'est pas très facile à juger avant toujours. L'étape, je vais bien la faire, mais bon, il faut que j'arrête bien. C'est déjà exceptionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours bien. Peut-être un jour, il dira il est moins bien, mais on ne peut pas courir. Mais là, ça fait un an et demi, il court régulièrement. Il court pas beaucoup, mais il court quand même toute l'année. Il faut voir, c'est le choix qui va l'aider, quoi. En principe, on va courir, si tout va bien, on court les trois groupes en Afrique, là. Les trois belles, ouais. Après, si on va gagner, j'ai aucune idée encore. Ok. Richard, pour finir, tu sais que dans le Sud-Ouest, on est nombreux, et j'en fais partie, et Turf Sud-Ouest en fait partie, à supporter ton champion. Il y aura beaucoup de monde, des cars sont prévus au départ de Gabarit pour venir supporter ton champion. Ça te fait chaud au cœur, ça, de savoir que tu as toute une région derrière toi? Ah oui, bien sûr. Et bon, quand je dis les chevaux, j'ai pas de respect, je dis rien à des supporters, parce que les supporters, ils sont toujours été derrière lui, ils sont tous défendus, Timoko comme il faut, ils vont venir nombreux à Vincennes, ça fait chaud au cœur, il amène tous les drapeaux, des t-shirts et tout, c'est vraiment, on n'a pas donné pour rien, et je trouve ça vraiment bien, il amène tous à Vincennes pour supporter Timoko, c'est vraiment bien, quoi. Ouais. C'est un choix très populaire et ça fait très chaud au cœur. Ouais. Tu veux profiter de notre micro pour leur adresser un petit message à tous ces supporters? Je veux dire, de la part de Timoko aussi, dire merci à tous les supporters, mais j'espère qu'ils sont nombreux dans la tribune et on espère qu'il a une belle performance dimanche. Ouais. Ok, ben écoute, merci Richard, encore une fois pour ta disponibilité. Quoi qu'il arrive, on passera un petit coup de fil en fin de journée dimanche ou lundi. Et bien entendu, on espère le meilleur à toi, au cheval et à toute l'équipe qui s'occupe de lui. À bientôt, Richard. À bientôt.